bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Resident Evil 4, en compagnie de Léon et notre pote le marchand. On peut pas le tuer, hein. Donc là, on est atterri dans les dans les égouts, en fait, hein, après que ce Ramon Salazar essaie de tenter de nous tuer, en fait, en nous tombé dans un trou. Et avant, on s'est tapé un combat insupportable contre les deux espèces d'aveugles, là. Ils étaient déjà présents dans le 4 original, mais ils étaient beaucoup moins chiants. Là, c'est insupportable parce qu'il y avait des ennemis qui arrivaient en boucle à l'infini. En plus, c'est pas nécessaire, franchement, quand il y a ces deux connards-là qui te courent après. Vraiment pas nécessaire, c'était déjà assez chiant comme ça. Mais bon, ça va, on s'en est sorti et là, on a eu de quoi se refaire derrière, donc au final, ça va. Mais bon, c'était quand même une zone de merde, hein. Enfin, je maintiens, la difficulté était mieux dosée dans le 4 original que là. Par contre, c'était n'importe quoi, c'était vraiment... On trouve un paquet d'ennemis, là, et t'es obligé de prendre des coups, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, soit, c'est que mon avis. Allez, on continue. Et là, combat de boss en perspective, hein, ça va être la merde, hein. Douche d'azote liquide, ah voilà, c'est avec ça qu'on va pouvoir l'avoir. Je me rappelle qu'il était sensible au froid. Les douches d'azote liquide qui ont été demandées le mois dernier sont bien été installées. Avertissement, l'azote liquide est une substance extrêmement dangereuse, pouvant entraîner des brûlures cryogéniques, la cécité, voire la mort. Mais faire preuve de prudence lors de la manipulation, oui. Et douche carrément, quoi. Ah putain, ce couloir de merde, ouais. Ah là 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 là, cauchemar. Putain de cauchemar. On voit qu'il y a du froid en fait un peu partout là. Bon, je vais me laisser tuer en fait parce que j'ai fait de la merde. Je savais pas que ça me mettait la douche d'azote liquide dans le cul comme ça quoi. Enfin, super hein. D'accord. De l'azote liquide. Mieux vaut pas être trop près. Non mais j'ai compris hein, mais de toute façon je vais recommencer en fait parce que là je me suis fait baiser quoi. Donc ouais non, je me suis fait baiser la moitié de ma vie, c'est mort. Là allez, hop, congelé Léon. Je me suis tué tout seul comme un sbire. Je sais comment l'avoir en fait, faut l'amener ici et après bon courage quoi. Touche à ton cul après quoi. Ça va vraiment être chiant. Hein. Chronique de recherche, mais 9 ans après mon réveil, lorsque j'ouvrirai cette valve, et ma gueule, le liquide noir entrera dans mes veines et circulera dans mon corps. Je m'attendais à ce que ce soit l'expérience la plus douloureuse de ma vie. J'attends cette épreuve avec impatience, c'est un honneur d'endurer le travail sacré de la Renaissance. De la prochaine fois que j'ouvrirai les yeux, je verrai le véritable serviteur de Maître Ramon. Izuru Yartatalvera, je fais ce serment. J'irai au-delà des limites humaines et je viendrai un vrai serviteur de Dieu, je taquerai les hérétiques. D'accord, donc en fait, les bras droits qu'on voit là, enfin le bras droit de Ramon là, avec sa cape rouge, en fait c'est lui quoi. Très bien. Ok, ok, ok Coco. Mettre encore des munitions, plus de ça ici, quoi. Putain, voilà, mec, ouais, t'es... Couteau de botte... Je suis équipé de quel couteau, moi, en fait? Ouais, là-bas, couteau de botte aussi. Artissement, coupure d'électricité, afin d'économiser l'électricité, le courant était coupé, certains équipements dans un ascenseur. Très bien, avec le disjoncteur situé au fond du labo. Ok. Ces gens ont un problème. Ouais, il va falloir y retourner, sauf que... Ah, ça va être la merde. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment badant, hein.
On recharge les armes, hein. Je me prépare vraiment à esquiver. Putain, il est au-dessus de moi, là. Il est quelque part dans les conduits. Moi, je cours, je m'en bats les couilles, là. Il va m'attaquer, ça va être un putain de cauchemar. Oh bordel. Et merde. Ouais, merde comme tu dis, oui. Ça va être chiant, hein. Bon, les QTE sont moins vénères que sur PS2 quand même, hein. Parce que putain, sur PS2 c'était vraiment vénère, hein. Me baiser la gueule. Oh putain. Non, tu penses? J'arrive pas à croire que j'ai réussi à sortir. Ok. Ça va être long, hein. Qu'est-ce que tu prépares? Oh merde. Oh merde, shit. Ouf. Y'a pas une douche d'azote, lui. C'est trop fragile, moi. Tout ça. Alors, on la ramène moins, là, hein. Bah, il la ramène moins, mais il va quand même me la mettre. Putain, il est insupportable. Même un coup, je rêve là. Ah, c'était sympa, hein. C'était vraiment sympa, ça. Ah, j'ai bien aimé. C'était agréable. Merde. Ah, oh, bordel. Aïe, 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 aïe. Putain, ça suffit pas, hein. Costaud, ce con. Tu veux jouer à cache-cache, c'est ça? Pas mal, hein. Non, oh, vas-y, je suis censé faire quoi, moi? Ok. Ça rentre une. Un petit cadeau.
Tu vas mourir, enfoiré. Saloperie. Oh là là, mais ça veut pas mourir en plus, hein. J'ai eu un sbire XP. Enfin, oh putain. Tout... Monocle en or. Condoléances à ton maître. Putain. Bah, ça reste aussi, ça reste toujours aussi chaud, hein. Pfiouf. Bon, maintenant je vais refaire le tour pour refaire le plein parce que ouais, là j'ai cramé toutes mes cartouches là, hein, vraiment. Ouais, il reste toujours aussi chiant que dans mes souvenirs, hein, ça va, ça fidèle à lui-même quoi. Il n'y a pas de souci. L'avantage c'est que je l'ai eu quoi. Putain. Pfiouf. J'arrive pas à y croire. Le chope à mort. Ce qui m'a bien défoncé la gueule. Je vais quand même cramer un soin. Mais bon, ça va, j'ai cramé qu'un soin justement. J'en suis globalement bien sorti, hein. Ça c'était de l'azote ou pas en fait? Pas du tout. J'ai persuadé que c'était de l'azote, vous voyez. Voilà, je vais me faire plaisir avec toutes les munitions que je vais ramasser là du coup parce que j'ai rien ramassé quasiment. Ça c'est sympa hein. J'ai raté des munitions. Ah ici d'accord, 10 balles ça se prend en plus. C'est vrai que j'ai surtout utilisé le pompe, pas beaucoup le reste. C'est vrai que je suis pauvre en munitions de Magnum, ça va être terrible pour la fin. Petite plante là. Non, je crois que j'ai tout ramassé en fait, là c'est bon. On peut continuer. Même si y a un trésor que j'ai pas pris là, ouais, faut peut-être faire que je m'y intéresse là. Potentiellement, ça peut être sympa. Là, c'est ouvert maintenant. Je peux y aller. Très bien. Diamant jaune, ok. Ah, il y avait un spray de premier soin et de la poudre. Ça va, je suis bien. Je me suis bien refait, là. C'est sympa. Ouais, pfiou. On s'est bien remis en mune et en soins, j'ai deux sprays, j'ai un truc d'herbe rouge, ouais ça va, je suis bien en fait, ça va, ok. J'ai été pire, à part que j'ai plus de munitions de Magnum quoi, mais bon, je peux pas tout avoir quoi. C'est ça le souci. Allez, on prend cet ascenseur de mort, on se casse. Parce que ce boss-là, on peut très bien le passer, hein. Enfin sur, sur PS2 déjà on pouvait très bien attendre l'ascenseur, se barrer, on peut pas obligé de le tuer quoi. Hein. Et bon, faut mieux le tuer quoi. Hein. On passe à côté de ça, du monocle. 30 000, ah. Pauvre petit agneau, ta souffrance peut prendre fin. Comme elle a pris fin pour notre petite dernière, qui nous a rejoints dans la communion désormais. Elle est notre chair, notre sang. Mon fidèle disciple lui montrera la voie. Allez, offre le salut à ces pauvres âmes égarées. À vos ordres. Je vais pas dire son blaze, mais je sais qui c'est. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Je vais te faire un prix d'amis. D'accord, on termine le chapitre comme ça. Il était là depuis le début, what the fuck, n'importe quoi. Allez, on se regarde ici. Chapitre 11 du coup, ma mallette, coffre, ouais je pourrais reprendre le lance-carreau mais j'ai déjà pas beaucoup de place, c'est mort. Allez on continue.
sens mieux? Ouais, je crois que ça a marché. Malheureusement, ça te permet juste de gagner du temps. Ouais, c'est temporaire. Les effets de l'inhibiteur s'estomperont bientôt. T'es prêt à y aller? T'en fais pas pour moi. Ashley est la priorité. Dans ce cas, on sait ce qu'on a à faire. En route, Sancho Panza! Allons secourir la princesse Dulcinea. Fais gaffe, tu vas te faire mal. Hey, c'était ma lance. Ok, on se dépêche. Ah, je vais t'accompagner par Louis, ok. Qu'est-ce que tu gagnes? Pas besoin d'être aussi méfiant. Je t'ai dit que je t'aiderais, non? Il y a le marchand juste ici, ok. Bah c'est des missions de pompe. Bon. Parfait. Ah, la lecture, journal du contremaître. 11 octobre, aujourd'hui j'ai passé la pire journée de ma vie, c'est la 5e anniversaire de ma fille, mais me voilà coincé sur un bateau miteux en direction d'un endroit pourri de l'arrière-pays. Si la paye n'est pas bonne, je crois que personne n'accepterait de travailler au milieu de nulle part. 19 octobre, les types du château nous rappellent constamment de faire attention durant l'excavation, mais des ouvriers sont effondrés après avoir inhalé de la poussière, il se passe quelque chose dont ils ne veulent pas nous parler. Il y a beaucoup trop de secrets ici. Je commence à tousser aussi, je devrais dormir. Ce octobre, ça ne va pas du tout, j'ai craché du sang 3 fois aujourd'hui et je me sens tellement faible que je peux à peine bouger. Merde, je n'aurais jamais dû venir ici, je l'ai fait pour l'argent, mais au final, c'est moi qui en paie le prix. Je suis vraiment un père indigne, pardonne-moi mon ange. Octobre, depuis ce matin, tête marche plus, pourquoi? Cracher plein de sang, plein d'insectes qui rampent, j'entends une voix. Date, encore une superbe journée de travail, creusée, ma porte tant de joie, ma vie est pleine de bonheur, je vous offre tout. Vos désirs sont des ordres de salle. Ouais, d'accord, il pète un plomb. D'accord, on peut refaire du tir, super. Un jeton en or, ah cool, je m'en fous. On adore nos herbes, ça oui. Guérir un homme, tuer un homme, elles peuvent tout faire. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. Merci. On répare le gilet. J'ai dû faire attention, d'accord. C'est pas moi qu'il faut dire ça, hein. C'est ça ceux qui me frappent. Je vous jure. Bah, les dégâts du TMP, c'est pas ridicule. Comme tu l'as demandé. Allez, on continue comme ça. Reviens quand tu veux, surtout. Parfait. Et ben on est bien, allez go, on continue. Parti, let's go. J'ai un peu de mal à faire confiance à quelqu'un qui a bossé pour Umbrella. Alors t'es au courant? Ah oui, hein. Umbrella n'existe plus. T'as plus besoin de te préoccuper d'eux. T'as pas répondu à ma question. Qu'est-ce que tu cherches? On est par contre, ouais. Je vais refaire une grenade lourde si je veux, ou alors je fais des munitions. Enfin, franchement, Il y en a quand même 16, quoi, les trucs, là. Je peux faire également, ouais, des munitions de pompe. On aurait besoin, en vrai, parce que c'est vrai que je les ai bien cramés, quoi. Je n'ai aucun regret. J'ai eu des munitions bonus en plus, parfait. Là, je suis bien. Quelque chose comme ça. TNT, ah, super. Namette. Namite a été transféré à la stock de ce Clash M4, d'accord. Sissement en réalité, Vanille, des éboulements sont fréquents, reste à bonne distance au point d'explosion. En cas de sinistre, déblayez rapidement la zone. Assurez-vous que le personnel est en nombre suffisant. Je n'ai pas d'autre dynamite. C'est quand c'est bloqué ici? Avant ça menait à la sortie. On va se taper des mineurs. Ah, le retour des paysans. Et c'est l'eau à qui? Ok. On dirait qu'on a de la compagnie. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on les déboîte. Je pense que je vais me taper un connard. La tronçonneuse, ça m'étonnerait même pas. On joue à la gueule du truc. Pas d'autres ennemis en vue.
Ils sont là-bas. Hein. J'ai vu l'enfoiré, je l'ai vu. Allez hop. Ok. Il mange une dynamite, c'est réel? Mais putain, j'en ai plein le cul hein. Je vais mourir avec ces conneries, hein. Ah ouais, je suis mort parce qu'il m'a foncé dessus, mais... Non mais Robert. Je me suis pris une dynamite, elle est sortie d'où, quoi, putain. Fait chier, il me casse les couilles. Oh, bordel. J'en peux plus de ces ennemis de merde, quoi. On dirait qu'on a de la compagnie. J'hallucine, ordure. Ah, mais putain! Mais va te faire foutre, je quitte et je fais continuer les amis parce que là j'ai tiré 3 balles dans le vent, ça m'énerve. Allez, c'est reparti. Meurs, je t'en supplie! Putain! Qu'est-ce qu'on fait? Ah, le mec, 3 balles quoi! Bon, ça va. Il y avait plus d'ennemis, j'ai shooté plus d'ennemis qu'avant là, j'ai pas compris. Hein, en plus. Feu mon con hein. Pas mal, hein. Il est mort hein. C'est bon. Je rêve, c'est pas vrai. Sérieux? Allez mec, c'est une putain de blague hein. Un deuxième, bah oui, double dose. Il tombe dessus. Y'a rien qui va en fait là, ça me saoule. C'est insupportable quoi. J'en ai plein le Hulk. Je vais mourir avec ces conneries, moi.
Il a buté tous ses potes. Le crétin, quoi. Faut que je refasse une grenade, j'ai pas le choix, hein. Attention les yeux! Bien joué! Elle est morte? Non. Si, elle est morte, c'est bon. Ramasse ta tronçonneuse, tu casseras plus les couilles. C'est bon ? C'est réglé ? Putain, c'est un cauchemar là, hein ? Il en reste, hein ? La musique, elle est encore là, quoi, et tout, C'est mis partout. C'est un bordel. T'as zéro répit, quoi. Allez, on avance. Bah ouais, c'est de la merde. Mais putain! Ah, ils me rendent fou, hein, je vous jure. Mais putain! Ta gueule! Je pense pas me parer aussi, c'est de la merde. Quelle mécanique à la con! J'ai pris trop cher là sur deux codards, ça m'énerve. Pff, on va se détendre. Ah lui il va me niquer toute ma vie aussi, c'est ça? Il est pas stag, hein, c'est impressionnant, hein. Putain! Je me fais baiser avec leur animation, je pense que je peux mettre un coup de pied, non tu peux pas. C'est ça qui m'a mis dedans là. Pff. Oh, j'ai vu rouge, la putain des... C'est énervant, c'est frustrant. En fait, c'est ultra frustrant, quoi. Parce que tu penses que tu peux faire un truc, en fait, non. C'est horrible comme sensation, je vous jure. Donc, ça fait péter les plombs, quoi. C'est normal. Oh, bon sang. Je pourrais utiliser ça. De la dynamite. Tu perds de la vie bêtement, hein, quoi. C'est... Belle trouvaille, mon ami. Ouais. On va pouvoir déblayer le chemin. Allez. Putain. De se barrer là. Tu te défends plutôt bien. T'es sûr que t'es qu'un simple chercheur? Je suis juste un mec normal, même si j'ai plutôt du succès avec les femmes. Putain. Allez.
Oh putain, cette phase. Alors là, ça je m'en rappelle. Il va y avoir deux géants là, mais j'ai plus de... Ah si, j'ai des balles, mais putain, c'est chiant quoi. Allez, c'est parti. Quel enfer. Après toi, j'insiste. Un vrai gentleman. Putain, la vache. Tu me revendras ça? Oui, fais gaffe. Voilà, on est quitte. C'est toujours comme ça, dis-toi. Double dose. Ça va être de la merde, hein. J'annonce. Il y en a deux. Non, sans blague. Laisse-moi. Des attaques inesquivables parce qu'il te court après. C'est super, hein. Franchement, c'est génial, hein. Faut déjà les amener là en fait, hein. Ça va être compliqué, hein. Louis. Bah ouais, non mais inesquivable cette attaque quand il charge là, c'est de la merde. C'est de la merde, vraiment. Putain, tu peux rien faire quoi. Je suis mort. Bah ouais, non, c'est de la merde. Oh putain. Le jeu est en train de me rendre cinglé là. Parce que tu prends des coups et tu peux pas esquiver, tu peux rien faire quoi. Pfff, j'ai envie de canner. Allez, on passe à la cinématique. Ça en fout. Louis. Oh putain, mais eh, faut l'amener au milieu, hein. Putain, mais... Eh non, mais eh, un sup, hein. À chaque fois, il reste pas au milieu, hein. Ça casse les couilles, hein. Que j'allais faire, minute. Louis, écarte-toi de là. Voilà, c'est ça que je crois. Avec celui-là, ça... Mais... Mec, il change de cible comme il change de... Putain, mais connard, quoi. Juste connard, en fait. Il était sur Louis, d'un coup, il est sur moi, tu comprends pas. Comment je fais, là, en fait? Bah ouais, mais merde, quoi. Non, mais sérieux. Je fais comment, là? Les attaques font pas de dégâts. Bah ouais, je veux bien, mais je fais comment du coup, connard? Ils sont pas idiots, quoi. Ah, ok, d'accord. Quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire quoi? J'ai pas compris ce que tu voulais, mec, hein. Merde, l'armure me protège. Mais mec, putain, t'es sérieux? Je dois faire quoi, en fait? Ah, faut que je l'approche. Ah, c'était clair, hein. Livraison. Ah,
Attire-le déjà, j'aimerais bien. Magnifique. Le plan se déroule sans accroc. Allez, on n'a plus qu'à lâcher. Allez, ça, cassez-vous, putain. Quelle zone de merde! Ah, ça, et Louis avec nous, parce que normalement dans cette zone-là on était tout seul, hein. Mais bon, ils étaient pas aussi chiants, quoi! Enfin, les attaques c'était esquivable de ouf, quoi! Toutes ces attaques étaient esquivables, hein. Là non, ils te foncent dessus, ils te défoncent la gueule, quoi! Ah putain! T'es obligé de prendre des coups, hein! C'est impressionnant, quoi! Pas le choix. Moi, ça me gêne en fait. Bon. Allez, je vais arrêter de gueuler parce que depuis le début d'épisode, j'arrête pas de râler. On va essayer de continuer. J'ai oublié plein de trucs. Hein. Bien qu'on ait des munitions, par contre, j'aurais bien aimé du soin, tu vois. Ça aurait été plus pratique. Hein. Monte un peu les munitions, j'ai besoin de quoi exactement? J'aurais peut-être besoin de munitions de fusil à pompe. Hein. Bien sûr, toujours un fusil à pompe de façon. J'en ai toujours besoin. Après, j'aurais peut-être besoin, il faudra que je commence à surveiller, c'est sur les munitions de Magnum, moi. Hein. Parce que bon. 17 quand même, hein, putain, c'est cher. Hein. J'aurais pas pu quoi qu'il arrive, mais il faudra que je commence à en faire. Viens. Allez. Alors il faudra que je répare mon gilet parce qu'il est déjà mort, quoi. Putain, c'est voilà. Chiant, quoi. C'est ouvert. Heureusement que j'ai 30% de réduc, hein, vraiment. Hein. Oh. Eh ben, on achève. Bon, je pense qu'ils ont des monstres comme ça, même ici. Ce sous-sol est sacré pour eux. C'est ici qu'ils ont découvert Las Plagas. Conservé dans des dépôts d'ambre très anciens. Ils avaient que ça à foutre. L'herbe rouge que je veux, en fait. Allez, on continue. Sorte ces mines de merde. Tu veux quand même pas qu'on monte là-dedans? Parce que t'as une meilleure idée? Oh putain, mais ce passage, ça va être un cauchemar. Je m'en rappelle. Putain. Alors on enchaîne les zones de merde sans répit, quoi. C'est impressionnant, hein. Trah, bon sang. Il est quelle heure, là, que ces conneries? Ouais, on a 39 minutes, bah écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode. La phase d'après paraît être un gros bordel, on va jouer au train de la mine, hein. Vraiment, ça va être un merdier. Ennemi à foison, enfin... Vous allez voir, ça va être n'importe quoi. Enfin bon. On espère que ça va bien se passer, parce que là, c'est vrai que là, j'ai encore pris des coups à crever, donc mille excuses hein, pour l'énervement, hein, mea culpa. Mais bon, ouais, certaines situations où c'est dur de garder son sang-froid. Allez, j'espère que ça vous a plu tout de même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Si c'est le cas, vous abonnez à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Je vous fais des bisous. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Des bisous, ciao, portez-vous bien. Salutations.